C'est amusant de pouvoir passer d'un effet à l'autre, de se dire qu'on a un piano sans réverb d'un côté et puis de l'autre côté un orgue avec plein de réverb, des delays, mais au même endroit. J'ai rentré ça dans mon jeu de pianiste, je trouve que c'est vraiment, vraiment super inspirant. Alors cette idée de boîte à rythme, c'est un semblant de boîte à rythme dans la mesure dans la partie synthé, on peut activer un arpégiateur, on peut aussi séquencer et écrire. Du rythme joué par la partie synthé. Il y a une fonction latch, une fois qu'on a déclenché avec une note, l'arpégiateur continue de jouer. L'arpégiateur est à un certain tempo, et pour me rappeler ce tempo-là, je vais mettre sur le Rhodes ou le piano un délai très faible, par exemple, mais qui va me donner un peu le tempo pour me dire « Ok, dans cette vitesse-là à peu près qu'il faut jouer, et puis une fois qu'après que les synthés entrent, bah, techniquement ça se passe bien. »